électrique, elle est pas mal du tout. Aujourd'hui, je voulais vous en parler pour vous faire un petit peu découvrir ce moyen de locomotion. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai essayé ça et franchement, je la trouve vraiment chouette. Elle est pas mal. Il y a des points positifs et des points négatifs. Tout d'abord, les points positifs. Pour la ville, c'est top. On se déplace, on va faire ses petites courses, on consomme rien, on pollue pas la planète. C'est assez rapide et surtout c'est fun. C'est vraiment vraiment fun. Il y a un feu à l'arrière et un feu à l'avant pour l'éclairage. Les stops fonctionnent. Ce sont des grosses roues, donc il y a une meilleure stabilité. Il y a deux freins et un vrai accélérateur à poignée. On a vraiment l'impression de se retrouver sur un petit scooter en fait. Ensuite, les garde-boue. Les garde-boue sont importants. Ça permet de se déplacer sans que toute la pluie ou quoi qu'il y a pu avoir auparavant se retrouve sur vous. Donc les garde-boue sont en accord avec la trottinette. Et franchement, c'est très très chouette. Elle a une belle gueule quand même. Non, vous ne trouvez pas? Honnêtement, on me l'a prêté. Et on m'a dit, voilà, tu veux bien faire découvrir un petit peu ma trottinette? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Après tout, ça peut être sympa, c'est dans le style de ce que je fais. Donc oui, pas de souci, on va le faire. Donc j'ai pris un petit peu des renseignements et franchement, elle est bien. Les pneus, ce ne sont pas des pneus pleins, c'est des pneus à gonfler. Donc on peut plus ou moins, selon ce qu'on désire, comme amorti. Il y a deux freins à disque, il y a une béquille. La garde-sol, on peut le voir, est assez importante. Ça permet de passer sans problème les petits encombrements de la route. Un klaxon, assez fort quand même. On va l'écouter tout de suite. Comme ça, vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Si avec ça, on vous entend pas arriver, c'est franchement que les gens sont sourds. Bien. La selle, elle est confortable, large et suffisamment grande pour une personne de poids moyen. Maintenant, ceux qui sont un peu en dessous risquent de la trouver un peu légère, quoiqu'elle est quand même aussi large qu'une selle de vélo, voire même un peu plus large qu'une selle de vélo traditionnelle. Donc je pense que ça devrait pouvoir aller. Maintenant, parlons peu, parlons bien. C'est une trottinette électrique. Qui dit électrique dit à recharger. Alors le rechargement, ça va encore. En 3-4 heures, c'est rechargé. L'autonomie comptait environ 25-30 km. Pas plus parce que d'abord, et on aborde là les points un petit peu négatifs, hein, pas plus parce qu'elle est lourde. C'est une trottinette qui pèse quand même son poids. On peut la soulever, mais elle est lourde, elle est costaude et elle ne se plie pas. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez prendre le train avec votre trottinette. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment quelque chose pour la transporter d'un point A vers un point B. J'ai bien dit ça, hein ? Mais il y a d'autres inconvénients également. Les pneus, ils sont larges, ils sont très larges, vous allez voir tout à l'heure, ce qui fait que pour tourner, voilà la position dans laquelle vous êtes, pour tourner vous ne devez pas juste vous pencher légèrement, parce que dans ce cas là vous aurez tendance à sous-virer, ou pour aller plus simple, aller tout droit, il va vous péter la gueule dans le mur. Vous devez ne pas avoir peur et franchement y aller. Pas trop non plus, mais vous devez ne pas avoir peur de pencher. Les trucs très sympathiques, c'est que cette trottinette a plein d'accessoires. D'abord, pour ceux qui pratiquent le golf, on peut aller sur les terrains de golf du assez pneus larges.
en fait, c'est un petit peu le principe des voiturettes de golf. Ça a des pneus larges, pourquoi? Pour ne pas abîmer le terrain. Ben là, pareil, vous n'abîmez pas le terrain. Vous rajoutez l'option et vous pouvez prendre votre caddie avec. Ça, il n'y a pas de souci, le sac de golf vient avec. Alors, je le dis tout de suite, c'est un petit sac de golf que vous allez pouvoir prendre. Idéalement, un demi-set, ça vous suffira. Donc, pour des petits parcours de golf, c'est l'idéal. Maintenant, pour les grands parcours de golf, non. Prenez une voiturette, si vous êtes à plusieurs, ça sera mieux. Vous pouvez aussi y mettre une remorque. L'option remorque existe. Donc, vous pouvez partir faire vos courses avec sans avoir des sacs qui vous encombrent autour. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Donc, la remorque, le sac de golf, franchement, on peut faire pas mal de choses avec. Et je le rappelle, son but premier, c'est de rouler. Rouler, c'est bien, c'est sympa, on peut rouler en ville, il n'y a pas de problème à ça. La limitation est de 25 km/h. On m'a dit qu'il était possible de la débrider pour aller au-delà des 25 km/h, mais dans ce cas-là, il faudrait l'immatriculer, etc., etc., etc. Le port d'un casque obligatoire, les gants, enfin, tout ce qu'il y aurait pour une petite moto. Or là, 25 km/h pour entrer pile poil dans le cadre de la législation pour les vélos. Trottlux, pourquoi? Parce que c'est le nom de cette trottinette électrique. Trott pour trottinette, luxe. Bah, je vous laisse deviner, elle a quand même une sacrée gueule, quoi. Hein? Voilà. Je vais vous emmener dans un autre endroit où on va continuer tout ça. À de suite. Bien, nous revoilà ici. Allez. On a changé un petit peu de décor. On est venu sur la plage et sur le sable, alors c'est pas top. Ça roule pas super top quoi. C'est du tout chemin, pas du tout terrain et pas du sable. En tout cas pas du sable, voilà. Sur du sable, je vous le dis carrément, vous n'allez pas pouvoir vous éclater comme des fous sur la plage avec. Ça va pas être possible. Ou alors peut-être au bord de l'eau, quand l'eau est, vous savez, quand l'eau est mouillée et elle est un peu dure, alors là ça va aller. Mais pour l'instant, on va faire un petit peu le tour de la machine, comme on avait dit tout à l'heure, et vous allez pouvoir l'apprécier sous toutes les coutures. Honnêtement, elle est super bien. Elle va très très bien dans ce cadre. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très chouette. Je vous conseille au moins de l'essayer. Parce que souvent, ben, malheureusement pour les porte-monnaies, l'essayer c'est l'adopter. Ce que je tiens à dire, c'est une fabrication française. Une conception française, tout vient de France. Peut-être pas les matériaux, vous vous en doutez bien. La conception, le design, tout vient de France. Si vous l'achetez, vous achetez 90% français. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant je vais aller la ramener à son heureux propriétaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.